sera bientôt votre tour. Bernard Brun, vous êtes accusé d'un crime scandaleux. Vous êtes un homme répugnant. Égoïsme extrême, lâcheté à répétition, individualisme excessif, égocentrisme prononcé. C'est un bien mauvais dossier, M. Brun. Votre peine sera donc l'enfer! Hey, maudit cave! Silence dans la salle! Bernard Brun, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, je suis désolé du mal que j'ai fait. Mais soyez indulgents, j'ai quand même pas tué personne. Je m'excuse. Je recommencerai plus. S'il vous plaît, je vous jure d'être gentil. Bernard Brun, vous n'avez donc aucune idée de tout le mal que vous avez produit? Une seule mauvaise action a parfois des répercussions étonnantes sur beaucoup de gens. Laissez-moi vous montrer tout le mal qu'ont répandu vos actions égoïstes et, si je puis me permettre, stupides! Souvenez-vous, Bernard, de cette journée où, frustré de l'irréprochable autorité de votre patron, vous aviez décidé d'asperger sa voiture de mélasse? Eh bien, le lendemain matin, il a mis sa fureur à l'œuvre. Bref, il a décidé de renvoyer du personnel sans raison valable pour ainsi évacuer sa frustration, tout en espérant évidemment aussi tomber sur l'homme à la mélasse. Martin! Oui? C'est que tu penses que tu fais là? Ben, les photocopies. La photocopieuse, là, c'est réservé pour les documents de travail. Ouais. Petite revue d'adolescents manquée, on peut s'en passer. T'es renvoyé! Non, prends juste une petite cuillère en bois, ça va aller. Tabarnak, c'est moi qui paye les crises de compte de téléphone, ici. T'as-tu un petit problème, là? Ramasse ta sacoche, va te trouver un autre travail. Ben, t'es vraiment malade. Merci. Hein? Tu connais ma blonde, hein? Ça a pas pris le temps, pis. Asti de Bobby, là. Y'a rien que toi, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez vous me dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en break, c'est quoi qui se passe, là? Non, on était juste en. On était en. Hein, non, William, t'es renvoyé! Je commence à être tanné, je crée mon argent par la fenêtre. Toi, gros, là, retourne à l'ouvrage. C'est moi, votre camp? Hey, vous avez pas le droit de faire ça. C'est de l'abus de pouvoir. Oh, j'ai pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit de faire ça. Non,
C'est-tu toi, un petit comique à la mélasse? De quoi ça? De la mélasse? Mon petit calice! Hey, boss, ça va? Ah, salut. Salut! Hey, la semaine, t'as plus de papier de toilette en toilette. Ouais, je suis slacké, no worries, là. Bon sac. Ciao. Vous avez vu tout le mal que vous avez produit? 4 employés ont perdu leur emploi par votre faute. Soyez maudits, M. Brun. Ces gens sont des innocents. Et cette situation n'est qu'une parmi tant d'autres. Vous êtes responsable de tout. Vous êtes coupable. Vous avez raison, ces gens-là sont innocents. Mais je suis peut-être un petit peu, moi aussi. Je me rappelle que mon frère a toujours été méchant avec moi. C'est lui qui m'a élevé toute ma vie. Ça a peut-être influencé mon comportement un petit peu. Hé, le morveux! Écoute-moi bien. Tu vois Sébastien là-bas, là? Ben, je veux que t'ailles voler sa super bécane, OK? J'en veux! Puis, en échange... Je le dirai pas à maman que t'as écouté des films porno hier soir. Ah ouais, vas-y! Ah ouais! Non! Hey! Qu'est-ce que tu veux? Ton boy, tu vois mon boy là-bas? Si tu donnes pas, il va être pète à gueule. Si tu veux pas qu'il bûche. Donne! Fait que donne. Écoutez, j'ai compris quelque chose. J'haïssais tellement mon frère quand j'étais petit. Je sais que je suis devenu le même homme, mais j'aimerais ça tout recommencer. Par cas exceptionnel, je demanderai à Dieu de venir juger du cas de Bernard Brun. Bernard? Dieu? Je vois que vous avez fait beaucoup de progrès, mon Bernard. Vous êtes sur la bonne voie. Vous savez, vous avez gâché une bonne partie de votre vie à propager la haine que vous éprouviez envers votre frère, mais cela ne justifie aucun de vos actes. Vous êtes maître de vos propres actions, Bernard. Laissez-moi vous montrer, Bernard, quel homme merveilleux vous auriez pu être si seulement vous aviez été un peu moins rancunier. Vous avez vu la fille? Son visage me dit quelque chose. Elle est tellement belle. Puis son sourire. Vous savez, Bernard, vous auriez facilement pu devenir cet homme. Vous étiez né sous une bonne étoile. Il vous aurait suffi de prendre les bonnes décisions au bon moment. Oh, ne soyez pas triste, Bernard. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. Allez, fermez les yeux maintenant. Hey, c'est... Tu es la plus mignonne. C'est la maison de mon enfance. Moi, je craque pour toi, pour le sourire que tu me donnes. Hey, je la connais, cette petite fille-là. J'ai beaucoup besoin de toi. Oui, c'est... C'est Charlie, c'est la petite fille qui restait en face du parc. Crois-moi. Je m'en rappelle. J'étais follement amoureux d'elle. C'est la première fois qu'elle venait chez nous. Je voulais que tout soit parfait. Veux-tu un verre de limonade? Oui. Mon frère, il avait tout gâché. Qu'est-ce que tu fais avec une fille, le morveux? Hein? Le premier qui va amener une fille ici, ça va être moi, puis personne d'autre. T'sais, tu y prêtes tes jouets en plus? Combien de fois je t'ai dit de prêter tes jouets à personne? Puis surtout pas à une fille. Là, tu vas faire sortir du site, OK? T'as sorti du site. Non! Charlie, sors! Non! C'est toi qui vas sortir!
Charlie, là, c'est mon amoureuse. Pis si tu veux qu'elle parte, là, il va falloir que tu me passes le corps un point, c'est tout! Oh, ouais? Check bien ça. Non! Oh! Toi, mon petit maudit! Oh! Là, tu vas écouter! Je... Hein? Tu voles! Oh! Wow! Bravo, Bernard. Vous dirigez de plus en plus vers la voie de la réussite. Vous avez exorcisé vos vieux démons, vous avez compris les répercussions de vos actes, et vous avez même vu votre modèle d'homme idéal. À présent, il s'agit de voir si vous pouvez faire le bien par vous-même. Fermez les yeux, mon ami, et bonne chance. Je suis en vie! Je suis en vie! Mes clés! C'est... Oh! Salut! Yes! Monsieur, votre portefeuille! Monsieur! Monsieur, votre portefeuille. Bonne journée. Wow! 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 Hey, Bernard, t'aurais pas un peu de change pour moi? Hey, William! Ouais. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, c'est vrai, t'as perdu ta job, hein? Je suis rendu dans la rue, j'ai un peu de misère. Tu pourrais-tu... Ah, ben oui, attends une minute, tiens. Tiens, prends ça, puis attends une minute, je pense que tu m'en restes. Merci. Tiens, prends tout ça, puis au cas où, prends ma visa. Mais, merci bien, là, Bernard. Mais, merci, là. Salut, William. Salut, là. Au voleur! Mon espèce de petit sacré pan! Oh! Excusez-moi, ma vie. Je te connais, toi. T'es Charlie! Bernard! Bernie! Ben oui! Hey, comment que tu vas? Hey, ça va, toi? Qu'est-ce que tu deviens? Ben là, je sais quoi, j'ai peut-être l'intention de m'en aller pour vivre. Mais toi, t'as-tu un chum?